bataille là qui change phase une fois de plus. Pendant n'a parlé là nous avons quelques amis et qui déjà signalé nous bon côté par yo non Wanamet semble-t-il que nous gain pour nous parler pour nous confirmer pour vous. Eh bien Wanamet eh bien déjà lock pendant n'a parlé là il y a plusieurs autres villes qui t'a doué lock et pendant c'est maintenant là pour pas dire jeudi lundi là une fois de plus n'a déjà bon début de semaine win oui, encore mesdames messieurs Jean nous dégrandil eh bien pays a pas arrêté comme ça puisque nous en dans qui situation dans qui état pays d'Haïti côté que corruption eh bien tourné numéro 1 dans toute bagaille Jean nous dit le gouvernement gang ça nous tande qui à Kenya eh bien pendant ce temps nous même n'a pas levé camper parce que nous connaît que pendant qu'il soit disant parti là eh bien lui qui était payé dans mes petits garçons yo dans mes bandits à sa patio pour faire crime. Évidemment, n'a avancé, nous allons parler de ça et nous grand pile l'autre actualité, nous allons toucher également. Mais j'en ai dit pour qu'on y a l'assemblée-t-il, grand pile coup de balle qui a tiré là, mesdames, messieurs. Mais avant ça, bon, déjà, prends une fois de plus à Malik et fais pas en nous avancer. Cette fois-ci, nous pas fait back et pas grand capable de bloquer nous. Eh bien, j'ai mis ou bien centré ballon. Hein? Excusez-moi. Bon, alors, effectivement, l'équipe. Théorie ça qui prend exécutif pays d'Haïti en otage qui n'a pas les deux chefs gang qui relè Ariel Henry et définitivement l'El Parti c'est sûr que l'équité et pays a dans main gang yo et l'El Parti comme ça est en mission parce qu'il besoin protection pour oligarque corrompu yo il besoin protection pour et prise d'otage qu'elle fait attaquer terroriste gouvernemental faire quitter pays à dans main gang yo dont li quitter pays à dans main toute gang yo et avec la police escadron de la mort qui c'est pour réprimer peuple là et si peuple là prend la rue et si peuple là a fait revendication dans la rue et nous effectivement qu'on y a peuple là qu'on est qui est-ce qui met le système là. Il connaît que c'est corps groupe, donc les bouts du corps groupe, ou dit les États-Unis en tête, la France, le Canada, qui est la Dominicanie, qui effectivement voulait faire génocide sous peuple haïtien. Bon, on a pris un dossier sans contaminé, qui c'est on a pris un dossier duri, qui a un bon élément là-dedans qui est capable de provoquer. Et maladie dans corps peuple haïtien les ont mangé du riz qui sorti aux États-Unis ça donc c'est pas nous qui dit c'est vraiment l'université Michigan qui rentre dans le laboratoire qui analyse du riz ça et qui voit du riz ça appelé un bon bagaille nocif un bon bagaille toxique qui à la longue les haïtiens continuent à manger du riz ça qui sort aux États-Unis à bas au cancer à bas au leucémie à détruit sang détruit système immunitaire donc la mort yo. Donc, nous voyons que c'est tout tribord bâbord et par tous les moyens qu'il a essayé d'éliminer Negio. Et nous tendons le discours que Boulos voyait Timulat là, dit peuple haïtien, mais comment on peut le détruire et qu'il a fait la guerre jusqu'à ce qu'il élimine pour faire l'autre peuple, pour mettre l'autre peuple sur 26 750 km2, Jean-Jacques de Saline. Donc, à un moment donné, les messieurs au clair constat, nous pas qu'à la dialectique de la parole avec eux. On y est à nous arriver dans la dialectique des âmes. Ce qui veut dire que le peuple haïtien doit par tous les moyens nécessaires organiser légitime défense face à groupe SAIO, corps groupe et groupe criminel cannibale américano-occidental là, qui effectivement comprendre que pour venir exploiter mine, pour venir exploiter des pétrole, faire organiser des programmes pour faire peuple haïtien évacuer pays et surtout des monde qui gagnent de savoir quand on parle de la de kidnapping du savoir, kidnapping kidnapping de la voix et kidnapping du pouvoir qui fait avec équipe terroriste et chef gang Ariel Henry. Chaque là où sorti dans pays a chaque là où sorti dans pays a c'est dans mes gang yo qui était pays a pour massacrer peuple là c'est dans mes la police d'escadron de la mort qui était pays a
pour si peuple n'a pas bougé, si peuple n'a pas été renversé, système PZ Soucia et renverser gouvernement théorique ça qui prend en otage exécutif peuple là pour yo massacrer peuple là et en même temps pendant dehors pour yo justifier occupation que yo voulait faire à travers des organisations qu'après bayo yon résolution pour rentrer une 11e fois dans pays là pour venir faire qui ça pour protéger oligarque pour protéger gouvernement et groupe équipe qui prend exécutif pays en otage et puis et permettre que ça Ariel Spien avec des compagnies et des impérialistes pour venir fouiller dans sous-sol nous pour venir voler tout ça nous gain et quitter nous vide tant que vous faites à Porto Rico. Donc nous c'est pour nous véatifs, nous pas dans la dialectique de la parole encore, nous dans la dialectique des âmes, et là nous pourrions pour la dialectique des âmes, non, nous pas pour dire ni qui l'est, ni qui joue, ni qui tend, n'a effectivement monté ou le compresseur, avec tout ça nous gagne pour monter, tous les moyens que pour nous gagne pour nous prendre, pour nous faire légitime défense, non, et puis pour nous évacuer Mounsayo, déchouquer Mounsayo dans le pays Jean-Jacques Dessalines, non. Effectivement, donc mesdames, messieurs, j'en ai commencé à dire, et n'a pas excusé une fois de plus, eh bien, deuxième phase révolution, l'y lancer, l'y commencer, et l'y doué lancer, l'idée de lancer depuis quelques jours, parce que nous voyons que nous-mêmes, il y a quelques nous qui étaient commencé impatients, mais effectivement, nous connaissons gens de bagages, gens de combats, son combat qui prend temps, son combat qui doit bien calculer, et pas qu'à gagner erreur, évidemment, nous pas dit première phase à gagner erreur, non, mais on ne connaît pas qu'à gagner erreur qui parfait dans le monde là. Mais l'essentiel, c'est sûr, c'est un. Comme moi, t'es une équipe jeune garçon qui, sur tout réseau, cap attaqué Guy Philippe, nous t'avons dans la là. Dans la deuxième phase, monsieur, là, c'est pas une question de Guy Philippe. Nous, on a qui est tapé d'Haïti, y a kidnappé propre maman, y a kidnappé propre famille, l'église a victime, hein, et toute institution en d'un pays a victime. Je dis à là, monsieur, posez-nous, quittez Guy Philippe en paix. Donc, on nous campe pour Haïti cette fois-ci. Comme moi, nous avons des problèmes, comme si le fait que c'est Guy Philippe comme leader qui devant le mouvement, nous avons des problèmes avec ça, eh bien, nous disons tout leader, tout nez qui pense qu'il est capable de faire des bagailles, si ce n'est pas de parler, deuxième phase là, rentrez là-dedans. Rentrez là-dedans, Malik, parce que vous trop parlé en pile, venez mettre pour nous faire ça, nous devons faire, parce qu'actuellement, nous voyons que c'est gros complot, sous complot, qu'a fait dans nos peuples haïtiens. Avenir Genesta hypothéqué là, à Malik. Mesdames, messieurs, Avenir Timounio hypothéqué. D'ailleurs, nous avons commencé une vidéo en talent et le policier ça qui fait abus son petit petit, nous ne pouvons pas baisser parce qu'il nous comprend. Mais en façon pour nous dire, nous avons dénoncé ça à tous les niveaux. Nous avons parlé de changement, révolution, c'est sous tout thème ça. Policier ça, par contre, si on a posé tête à Malik, est-ce que monsieur ça a été passé souvent à l'école? Pour un policier pour oser pour attaquer un petit monde comme ça, on tout touché ça, pas de parler de deuxième phase de révolution, hein, monsieur. Tout vie bagay sa yo, abus sa yo, li pap kapab la dan fèm. Nou men nou pap tolere sa. Oui, fèm. Policier sa yo, yo pa leve yo vreman nan mission ki yo gen pou akompli a ki se proteje et servi. Yo leve yo pou yo kont pep la, yo paye yo pou yo kont pep la, pou pep la pa revendike doal. Doual pour la l'école, doual pour le logement, doual pour le travail, doual pour manger, doual pour boire, doual pour l'accomplir, doual pour le vivre. Donc c'est tout doual ça, il y a une petite minorité en d'un pays à composer de corps groupes et des oligarques corrompus imposés on peut par les âmes, donc par l'autorité des âmes, et ça fait longtemps que depuis 7 février 2024, Ariel est rentré dans la dialectique des âmes, ça. Donc, nous-mêmes, en tant que masse populaire qui a vécu un système d'apartheid depuis 220 ans, qui a vécu un système d'exclusion depuis 220 ans, ni dans la diaspora, ni dans et pays a nous supposé répondre à agression ça nous supposé dit tout monsieur comme groupe c'est persona non grata et nous le peuple a commencé à comprendre le mouvement c'est alpha sitting en dans ambassade ça yo si on pas veut quitter nous rentrer
faire vigile devant l'ambassadeur pour nous déclarer Mounsayo par un décret populaire de persona non grata parce que yo fait ingérence dans les affaires internes de pays d'Haïti. Nous pas qu'à faire ingérence en France, nous pas qu'à faire ingérence aux États-Unis, nous pas qu'à faire ingérence dans le Canada, dans les affaires canadiennes. Donc, pour qui ça est au même, aucun ambassadeur au consulat pas qu'à dire Canada comment pour gérer Bakli. Mais pour qui ça est au même, pour rentrer, pour abriter nous, pour nous faire élection dans condition que on mette pays ça, alors que nous connaissons toutes amis, toutes cartouches, sorti d'un pays américain qui c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, nous pas prendre la main, nous pas prendre Jean de Barreson dans le même groupe, nous avons dit, monsieur Sayo, nous personnellement nous attendons dans le pays, et puis pour retourner la CAIO pour repenser relations diplomatiques avec Haïti, parce que Haïti est un pays indépendant depuis 1804. Que vous fâchez, parce que nous avons flé Leclerc, nous enflons Rochambeau, nous enflons Napoléon Bonaparte, nous faisons net et nous ca refaisons encore. Et nous refaisons encore parce que M. Sayo est allé trop loin pour non seul bagaille qui veut prendre dans le pays. Oui, Jimmy. Non seul bagaille qui est dans le pays que M. Sayo a besoin, c'est mine que nous gagnons, qui c'est richesse des Haïtiens. C'est gisement de gaz que nous gagnons qui c'est richesse peuple haïtien et c'est pipe pétrole que nous gagnons qui c'est richesse peuple haïtien avec jeunesse que nous gagnons parce qu'Haïti est un pays jeune que il a exploité main d'œuvre pour évacuer jeunesse là pour nous pas trouver jeunesse pour qu'il rentre dans BESAP et BESAP supposé transformer en l'armée indigène dessalinienne que les États-Unis, dans l'occupation de 19 ans, détruit en 1915, et dans le mois de décembre 1914, volé réserve d'ONU pour aller faire banque dans le pays. Donc, à ce moment-là, le combat peut pas ici en clair, c'est un combat de restitution et de réparation de tout ça, pays impérialiste, esclavagiste, colonialiste, si on fait nous. Et nous pas lâcher prise, combat pas suspendre parce que nous 12 millions monde et que y a des millions de haïtiens qui vivent dans la diaspora. Amalik, bon une seconde fait pas évidemment et ben nous déjà et Zami ça qui est avec nous là et il y a ça sont d'autres combattants, il y a d'autres jeunes garçons sérieux. Zami, n'absalio, bon, une seconde, de temps que pour nous ajustons son là. Voilà. Bon, nous parti. Et puis, moi, dis-nous ça, hein, boy, ça paraît que soit abdomi, hein. Nous, on tout le temps abdomi, tout le temps couché. Nous, on a dormi, ça, yo, zombifié nous. Hein? Nous, tout nos pepe, qui pas même crise au calme. 2008, tout le monde dormi. Zami, ne ça, il y a la cinté qui a pas dormi même. Zami, ou même comme gros général, m'salio, fouem, comme on est gué. Nous en forme, oui, nous en forme, nous trouvons nous dans le département nord-est, dans Wanamet, spécialement, et dans le centre-ville. Et nous avons une situation qui a développé dans la ville Wanamet en jour et jeudi, qui c'est lundi 25. Là, nous trouvons nous. Et côté que gon situation k'ap développé, côté gen pile barricade qui déjà andressé, côté que gen pile katouche k'ap tiré, côté que ville là son ville qui totalement lock nan minute nan parole là. Ça veut dire que Wanamet a déjà lock là. Wanamet déjà lancé le ton là pour moun yo k'ap tande nou là, pour reste ville là k'ap dormi là, nous même ville Wanamet et ville Canal là, ville moun santi bon yo, ça veut dire que nous même nous déjà lancé le ton, pas gen question dormi, nous lock là pour kounya là. Mais pendant n'a parlé là, pendant que Wanamet lock, pas gen présence policière dans la rue, pas gen présence personne, volait envahi ville et zone, volait envahi zone là. Faut que nous dou bien après et pendant n'a parlé là, gen moun ka perdi plaisir bagay, y a cassé kay moun, volait cassé kay moun, ça son situation. Jeudi 26 hein, pour nous bien, pour ne pas être du moun en erreur. Lundi 26. OK. Lundi 26. Ok. Ou dit ok justement t'as gagné des petits et mais quand Michel qui voyait le voler pas l'autre bail frère. Donc effectivement
Non mais c'est ça. Nous pas indexer, nous pas indexer personne, nous pas indexer personne, mais faut me dire bien aujourd'hui là, faut que nous dire bien son situation qui a dégénéré Wanamet côté qui volait envahir ville Wanamet, sont pas content dans l'autre ville yo, attendre Wanamet pendant qu'il pas une présence policier Wanamet encore, c'est seulement agent Bissapio, mon connaît agent Bissapio petit gens insuffisant ensemble avec agent sécurité section communale yo. Et qui présent, mais faut que nous dit bien et agent sécurité section communale insuffisant et agent Bissapio insuffisant, yo pas ka gérer situation ça qui gagne Wanamet là parce que Wanamet son ville faut que nous dit bien qui gagne en ampleur qui gagne plus de plus 1 à 2 millions de monde qui vivent là-dedans. Pour nous dire ça comme ça, les statistiques là-bas nous à peu près 2 millions de monde presque qui vivent Wanamet et côté que Wanamet vient gagne en ampleur qui plus gros ville Fontarier qui gagne, c'est Wanamet lié. Oui, mais pendant ce temps, et là, pour qu'on y a là, nous n'avons pas de présence de la police, mais plus tard là, mesdames, messieurs, les populations pour aller prendre direction douane, c'est là qu'on va aller décharger la police. En pile police pour aller prendre gaz. C'est ça que nous va d'accord. Comment faire bandit, gang, attaquer Kaimoun ou pas la police. Mais quand il s'agit justement pour prendre gaz, ou yo en masse. Faut que nous dise ça, faut que moun yo et kap sorti l'autre côté pour venir Wanamet yo, faut que yon ti jan pri dan jounen jodi a parce que barricade andressé tout côté, faut que moun yo yon ti jan pri dan, faut que moun yo pa dormi pour yo gen déjà fixé parce que nous gagnons l'autre ennemi qui pi féroce qui c'est dominicain yo qui en face nous avec des gros chapeaux guerre, gros âme fan foi et qui tout prête pour envahir nous pour empêcher canal et canal la pas fini. Et ben journée aujourd'hui c'est une situation ça que nous faut que moun yo pas dormi, faut que moun yo réveillé yo, surtout moun qui au voisin notre canal là. Oui, non mais ça dit c'est important. Oui, c'est une raison effectivement. Et bon, comme nous connaissons monsieur Bissapio yo sur canal là, il a fait travail yo depuis quelques jours et monsieur ça nous pas gagné pour nous pocher yo, mais au gain raison vraiment. Même faut que nous dit bien monsieur Bissapio, faut que nous dit pour le monde qui attend de nous monsieur Bissapio pas gagne accompagnateur monsieur Bissapio pas gagne suffisamment moyen dans mais pour combattre ensemble avec des chats de guerre qui gagne en face yo monsieur Bissapio a fait toutes les mieux de aujourd'hui malgré politique là tellement haut premier ministre Ariel Henry ensemble avec premier ministre ça son dictateur, il n'y a pas de monde qui reconnaît lui comme premier ministre. Ça, c'est lui pas premier ministre. Ça fait longtemps. Ça, c'est vous qui dites. Non, c'est pas moi qui dis, c'est la réalité à faire. Monsieur pas premier ministre. Qui est premier ministre? La dirigeant qui ça là. Monsieur pas, nous même dans Jaspora, nous pas reconnaître Ariel comme premier ministre. Et d'ailleurs, par exemple, il n'y a pas réglé pour payer. Voilà ça, c'est comme vous qui mettez la peuple à pas reconnaître lui, frère. Vraiment, nous même, c'est position par nous, Boïsien. Et Ariel là, vous m'entendez? Okay. C'est Kenya là, là, frère. Là, le Kenya. Oui. Eh bien, voilà. Mais si là le Kenya c'est OK là le Kenya dans qui contexte là pour qui est là le Kenya c'est une question qu'a posé pour dimi pas premier ministre aujourd'hui pour qui est là le Kenya voilà et voilà la question non là le, non mais là, non réponse là bon réponse là réponse là c'est pour petit groupe oligarque qu'on pour c'est pour yo wan c'est pour le secteur privé yo c'est pour yo l'aller Jean Odulan bandi a prendre caïman malheureux contre la police mais la police présent devant toute ambassade la police de présent devant toute et magasin secteur privé yo c'est ça le problème non frère police a fait abus sur timoun ou petit garçon pour dire ouais vidéo frère pas que timoun ça gagne 10 ans la police shooter monsieur dans un boule comment non ça c'est un matraquage que pour jusqu'à côté pays ça privé voilà. Faut que tout le monde on commence à prendre conscience puis ouais j'en paye ça pour aller là faut qu'il y ait une réforme qui fait là dedans réforme non c'est pas où c'est responsabilité pas en tant que journaliste c'est responsabilité pas en tant que citoyen et bien faut qu'on réforme qui fait dans pays là parce que et j'en policier a maltraité monde bas monde gaz lacrymogène a tiré monde chaque jour papa bon Dieu mettez et puis bandit grand ravine bandit solino bandit quoi des bouquets bandit 400 marozo bandit vite l'homme tout a continuer prendre terrain côté que journée Jodia, yon corps qui vini pour aider volontairement, yon corps qui vini pour aider volontairement, qui se Bissap, et bien jounen Jodia, yon mette en difficulté. Oui, frère. Vive Bissap. Nous commençons à parler. Vive Bissap, mon cher Jaspora, et peuple haïtien, grand pile l'amour pour Bissap. Mon cher, nous parlons de ça, nous t'abaye pour Timé Bissap, yon fait fierté nous. Est-ce que nous connaissons, mesdames, monsieur, grand pile moun qui est dans le pays, c'est tout qui est dans Jaspora, qui est en décourage à Haïti. C'est là, yon, monsieur Bissap, yon campé, Jean yon campé, avec douette yon.
j'ai au campé en face la République Dominicaine. Qui va nous espoir? Il faut même qu'un pile monde qui te découragé net, oui, avec Haïti. C'est Bessap qui est en pile dans nous là, oui. Donc, nous ne pouvons pas capables de reconnaître. Et si dans quelques jours, ou même en tant que journaliste, ou ayez retiré Bessap sur le territoire national, là, comment absente vous? Non, moi, je, même dans dormir, ça va pas faire. Même dans le domaine, tout le monde qui veut faire effort dans le pays, il n'y a pas de problème. Et bien, je vous dis, c'est dans qui responsabilité nous-mêmes en tant que citoyens. Il faut que nous prenions conscience, pour nous agir, plus vite que possible. Si nous faisons une révolution, tout le monde veut nous faire. Si nous faisons une réforme dans le pays, nous faisons une réforme dans le pays. Pas dire tout le monde, il y a tant de Guy Philippe. Qu'est-ce que Guy Philippe? Il y a tant Guy Philippe est en paix, Guy Philippe est en amas. Ou est-ce que parce qu'il est arrêté à Rabla, personne ne va dire rien pour Rabla? Faut que nous suivions ça. Non, pas. La gueule comme ça, moi ici, frère. Nous n'avons pas quitté la gueule conservatrice. En tout cas, merci un pile. Non, et pas comme ça. Regardez, c'est pas amis, attendez, c'est bataille là, regardez. Ou même qui est dans le pays, monsieur, j'en saute dit là. Nous pas captant simplement sur Guy Philippe, c'est pas Guy Philippe simplement. Vous comprenez? Ça veut dire ça, son Haïti. Voilà, Haïti dans sa Haïti là. C'est nous tous qui voulons lever camper. Vous comprenez, commandant, passez moi, nous même tout font de responsabilité. Nous, regardez les lieux, même au pape d'homme, ou camper, ou payer où. Mais l'autre jeune garçon, grand équipe nègre, 2007, tout n'a rien, tout a pour plaisir. Vous comprenez, c'est pas comme ça le capable. Voilà. En tout cas, merci en pile, frère. Faut nous aller, merci en pile. C'est vous pour nous remercier, Nous remercier tout le secteur diaspora qui a attendu nous. Nous remercier les mondes entiers qui a attendu nous. Oui, mais j'en nous dis, pas dire Guy Philippe Mahon, bah, là, c'est stratégie lié. Ok? Merci en pile. Voilà, exactement. Parce que les messieurs ont fait tirer ça. Il faut nous corriger tout, mesdames, messieurs. Nous dit corriger, c'est pas amicalement. Vous comprenez? Nous disons, mais comment bataille là? Pas welcome, c'est question marron, non. Guy Philippe, c'est seul nec, s'il met pelaté à la kounia là, eh bien, Ariel t'a préféré retourner Kenya pour lui tirer. Tellement le père Guy Philippe. Yo tout craint Guy Philippe. Département d'État, yo tout père Guy Philippe, mesdames, messieurs. Nous comptons ça. Mais j'en nous dis, deuxième phase à lancer, yo met fait ça, vous voulez. Oui, pays a avancé avec Guy Philippe et puis tout autre commandant. Amalik, oui, frère, on nous a avancé et frère Pam. J'en nous dis, et pour qu'on y a là, nous tendez, Villouanamet déjà lock et d'après citoyens qui déjà dans zone, qui rapporte ça pour nous, et frère Pam, Amalik. Eh bien, là où on rentre dans la dialectique des âmes, tout le monde qui a expérience des âmes et qui manifeste contre ça que le groupe a fait dans le pays, le groupe impérialiste, le groupe criminel cannibal américain occidental, qui plus clan a fait dans le pays, tout le monde est supposé rassembler pour libérer le pays. Ce n'est pas le moment pour nous dire ceci, cela. Nous n'avons pas de stratégie. Nous avons suivi pour voilà. Nous garder, pour nous voir jusqu'à côté de la poêle, parce que nous pas croire que tout le monde qui connaît les âmes dans le pays n'a pas croire que nous sommes dans la dialectique des âmes. Nous n'avons pas dans la dialectique de la parole encore. Nous n'avons pas dans la dialectique de convention collective, de syndicats ou bien de contrat social avec oligarques corrompus et puis classe et politiciens restent avec et corps groupes restent avec des patrons d'État. Nous n'avons pas dans ça encore. Nous sommes en phase, c'est ou bien nous paraître, nous construire civilisation par nous, ou bien nous disparaître. Et dans la conjoncture, ça, nous ne pas disparaître parce qu'il y a plusieurs pays qui émergent et qui manifestent puissance. Ils manifestent puissance d'abord au niveau militaire, ils manifestent au niveau économique, ils manifestent au niveau de partage social. Donc, Haïti, c'est dans la conjoncture ça pour nous aller, c'est dans la relation ça pour nous aller, on prend un pays qui n'a pas produit ni cartouche ni âme. Donc, si nous avons dit à la dialectique des âmes, nous supposons trouver les âmes, mais nous avons dit que côté que nous avons trouvé les âmes, et les âmes artisanales et techniques que nous avons, d'utiliser en attendant
que nous gagnons ZAM tout, parce que c'est ZAM qui gouverne ZAM, c'est stratégie militaire qui gouverne stratégie militaire. Et nous supposons tout le monde qui connaît un ZAM gagner un discours rassembleur. Il y a un discours qui permet que nous sortions dans sa nouille là. Nous, la dialectique des âmes et toute dialectique des âmes imposée et une réalité, une action politique de déchoucaille total capital. Bon, une seconde, mesdames, messieurs, pendant nous parlons de ça, nous disons que oui, et ça fait déjà un petit moment là. Et effectivement, dans la ville, Wana Met, mesdames, messieurs, nous disons qu'il y a un pile coup de balle qui a chanté. Et bouteille qui a planté, roche qui a planté, nous dit, ville Wana Met déjà lock, nous avons quelques images pour vous. Et mesdames, messieurs, voilà. Et ben nous prenons une image ça pour vous. Voilà, voilà, voilà. Et vous êtes capable de comprendre, nous ne pouvons pas mettre des vidéos, mais effectivement, on essaie de faire un petit zoom et tout petit dans l'air ça. Et voilà, effectivement, et oui, nous, ville la Gantan lock, non, on a parlé là, pour pas dire caoutchouc, roche, bouteille qui a planté, effectivement. J'en nous dis, eh bien, oui, mesdames, messieurs, c'est tout côté qui peut lever là, pousser maintenant là. Parce que nous ne pouvons pas quitter la ville là tranquille, en façon pour nous dire que, par rapport à soi-disant gouvernement, ça, depuis le trop confortable, c'est garder, après complot pire pour nous, mesdames, messieurs. De toute façon, à Malik, il faut nous dire quand même, bonne nouvelle là, c'est que Ariel, pas légitime, tout ça l'a signé là, tout illégal, il faut que nous nous connaissions ça tout. Définitivement, pas gagné qui est illégal. Et mission Ariel, c'est pas pour t'assigner quoi que ce soit ou bien à prendre contact avec d'autres pays. Vous comprenez? Bini, vous comprenez? Bon, c'est sûr que monsieur ça va pas consulter les Haïtiens avant de faire quoi que ce soit parce que même tous ces outils, instruments restent avec le groupe criminel cannibale américain occidental là qui en fait l'Occident impérialiste. Donc, il n'y a pas qu'à venir consulter nous. Madame Lalim ou bien ça comment on est là, décidé par un tweet mettez un premier ministre qui montait un gouvernement, un faux premier ministre, un premier ministre illégal, illégitime, qui montait un gouvernement illégal, illégitime, autoritaire, qui lui-même a utilisé et auxiliaire de la justice, qui c'est la police. Bon, l'armée lui-même nous attendait du tout. Donc, depuis l'armée fait silence, c'est que l'armée complice. Non, le complice. Le complice. Parce que nous, Ariel, qui va à l'Ethiopie, excusez-moi, Kenya. Et commandant l'armée, hein, monsieur a salué Ariel. Ou t'as dit, c'est ton bagage. Ouais, non, mesdames, mes amis. Et non, ça va déplacer lui-même. Ça nous va même baiser, parler de lui encore. Et c'est même complot. C'est même lui-même. La question FADH, là, moi-même, moi, vraiment, pas content. Parce que si monsieur, jeune garçon qui est dans FADH là, et yo même tout, ou t'as dit son équipe l'autre zombie, parce que yo qui ton tigre, l'autre équipe l'autre tigre, moun qui pas gagné intérêt pays, a bayou l'autre. Donc moi, mon cher, bayou la grave. Mais c'est une raison, le nap di jodi à la fois, nous lever camper pour craser le système ça, pour nous finir avec le système complice ça, le nap di en rentrer dans le cadre révolution, mesdames et messieurs. Parce que en pile monde veut là Malik, moun yo vraiment impatient là. Moun yo impatient, yo veut révolution, c'est une raison qui fait que parfois y a bagui Philippe pression, mais moun yo veut changement et vite là frère. Comme nous dit, c'est pas une question de Guy Philippe, c'est une question de des monde qui patriotes nationalistes de tous les acabits du pays qui prêtent pour faire un autre pays pour aller dans changement social. Guy Philippe après 6 ans non pénitencier, il finit par réfléchir et trahi par justement l'impérialisme dans le discours, il a parlé de démocratie et que nous voyons que ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas vrai démocratie, parce que c'est depuis après décembre 1991, nous avons sélection et offert, c'est mascarade, bouillie vidée, vous comprenez, piqué-collé. Et qui gagne dans le pays, il n'y a pas d'élection vraiment. C'est que même ça, tout le prendre en otage pour ne pas mettre monde par nous. C'est goumer pour nous goumer avec eux, pour nous mettre en monde. C'est eux qui mettent le président,
Bon, il y a un président qui vient nous voir clon en main. Il a saisi, il a assassiné. Donc, nous pas gagné aucune confiance que nous avons fait corps groupe ni les oligarques corrompus en d'ABIA. C'est pour ça que dialectique des amants doit arriver à un changement définitif dans le pays et à des services de biens que les gens qui n'ont pas payé taxes, mais qui mal payé, ouvriers dans sous-traitation, et ouvriers qui travaillent la caillou tout, qui sont bonnes, qui sont garçons la cour, tout le bagage est supposé reviser, et c'est ça que fait nous dire comme ça que. Dans la reconstruction de l'empire que nous pouvons faire, nous pouvons mettre la constitution de 1805 de Saline en branle, nous avons besoin des comptables, des économistes, des gestionnaires, des sociologues, des ethnologues, des anthropologues, des politologues qui vraiment des patriotes nationalistes. Donc, nous avons besoin de compétences pour nous faire, gens de gouvernement nous besoin faire, après nous sortir dans la dialectique des âmes. Mesdames, Messieurs, et nous-mêmes, nous ne pouvons pas rester dans le cadre de parler simplement. Et en nous venant avec audio, ça pour vous, mesdames, messieurs. Nous connaissons tous, nous parlons français là, nous comprenons moins du moins. Les nabs disent que justement, je dis à la fuck Haïti, en urgence, sorti dans sa lié là. Eh bien, en tant d'extrait, ça n'a pas compris davantage, mesdames, messieurs. Tendez bien. Haïtienne. Le plan des États-Unis pour disparaître Haïti. Vous entendez, plan États-Unis pour disparaître Haïti. OK? Le plan des États-Unis pour disparaître Haïti. Nul n'est sans savoir que depuis quelque temps, les États-Unis contrôlent entièrement la politique haïtienne. Attendez, voilà, États-Unis a contrôlé justement politique PIA pendant des années. C'est eux qui contrôlent là, ok? Pendant que eux qui contrôlent pays d'Haïti pendant tout le temps, ça y est, regardez les résultats. Ok, bon, je serai prêt pour vous. Le plan des États-Unis pour disparaître Haïti. Nul n'est sans savoir que depuis quelque temps, les États-Unis contrôlent entièrement la politique haïtienne. Cela veut dire qu'ils influencent, ou du moins, ils prennent toutes les décisions politiques importantes en Haïti. Ils y sont parvenus grâce à des politiciens apatrides ou antinationaux. Il faut le dire, ce plan pour faire disparaître Haïti existe il y a longtemps. En 1915, ils ont envahi Haïti sous le prétexte de l'instabilité politique. Mais les conséquences de cette invasion sont multiples et considérables. Ils ont entravé trois fois plus l'économie d'Haïti, qui faisait déjà face à des défis sérieux. Et ils ont bouleversé l'ordre administratif et socio-culturel. Bien qu'en 1934, ils ont mis fin à l'occupation militaire d'Haïti, mais cette occupation politique et économique n'a jamais réellement pris fin. Les Américains ont continué à s'ingérer dans les affaires d'Haïti, sous la couverture des organisations comme l'ONU, l'OEA, etc., ils organisent des élections truquées pour installer à la tête du pays des politiciens corrompus. Comme ça, ils arrivent à garder la main mise sur le pouvoir. Autrement dit, c'est eux qui dirigent le pays, mais non des représentants élus par le peuple haïtien. C'est ainsi qu'ils exécutent leur agenda de la mort dans ce pays innocent qui n'a fait de mal à personne. Nous tendez, mesdames, messieurs, nous tendez, effectivement, parce que là, nous parlons comme ça, parfois, vous n'y avez pas pensé, c'est parce que nous avons un problème avec les États-Unis. Et, mesdames, messieurs, nous tendez, extrait, hein? Amalik, c'est exactement ça qu'il a dit là, effectivement, fuck Haïti, sorti dans ça. Je veux dire, pendant trop longtemps, eh bien, c'est Mounio, c'est yo, que ce soit comme groupe là, les États-Unis, nous n'avons pas oublié le Canada, entre autres, la France, pour pas dire la République Dominicaine, c'est yo qui a mis les dirigeants pour nous là. Pendant des années, si vous avez contrôle sécurité, je dis à la lèvre, il faut que nous crasions le système, non? Faut que nous fassions révolution, hein? C'est parce que je dis à c'est nous pour mettre propre sécurité, nous avons un petit MCB Sapio qui est capable de faire travail là. Nous avons un pile quelques grands bons policiers toujours, malgré. Nous avons peut-être quelques grands militaires, malgré, mais qui volonté. Mes amis, bagayo grave. Amalik, bagayo tellement grave. Vous ne pas comprendre nos frères. Faut nous faire mon autant de audio ça de temps en temps. Pour yon pas penser c'est nous qui avons un problème. Baka yon grave. Complot Ali en pile. Oui, Amalik. Nous-mêmes, c'est juste porte-parole, objectif de réalité. Hein. Et ce travail, nous, en tant que journalistes et personnes avisées, activistes avisées et intellectuels, pour nous faire travail ça. C'est nous pour faire. Et c'est pour ça que chaque fois que nous pensons que nous avons un problème avec le peuple,
Canadien, non. Nous pas un problème avec le Canadien. Nous avons un problème avec le dirigeant. Le Canadien qui a pris tant que chacun poli, qui a pris l'investi dans la cartouche, dans les armes pour les bandits. Nous avons un problème avec le peuple français qui fait justement la révolution de 1789, la prise de la Bastille, et puis qui débarrasse l'aristocratie vampiriste. Nous n'avons pas un problème avec le peuple français. Nous avons un problème avec l'établissement politique et économique français, qui a vint et supporté gang la Kainou, qui a vint formaté coup d'état en d'un pays. Nous avons un problème avec ça. Nous n'avons pas un problème avec le peuple américain. Nous avons un problème avec l'établissement politique et économique. Peuple américain a voté ce qu'il n'y a pas qu'on est, l'administration Biden a fait. Ce qu'il n'y a pas qu'on est, que, et c'est quoi nous voulons dire, Mounsayo, mais qui ça établissement politique et économique la CAIO a fait dans le pays d'Haïti qui est tiers mondialisé, qui est écrasé, qui est tout pivé à travers des coups d'État, à travers des dictatures féroces, sanguinaires. Que effectivement il y a monté là avec Ariel. Donc c'est ça, c'est ce problème ça nous gagne avec establishment économique et politique et corps groupe qui a fait ingérence dans pays nous, humilier nous comme si nous pas existait alors que nous sommes le deuxième pays indépendant après les États-Unis dans Amérique là et qui marchait libérer même la République dominicaine qui a dressé contre nous. C'est pour nous regarder qui est éducation anti-haïtien et au bail dominicain. Qui est éducation au bail français ou face à Haïti, qui va même parler de Haïti même. Qui est éducation au bail canadien, qui est après l'eau. Hey, lorsque tu n'es pas retourné chez toi dans ton pays, alors que terre occupée, c'est terre amérindienne. Même gens avec nous, c'est terre amérindienne, mais nous travaillons pour lui. Et puis, nous gagnons. Nous gagnons par plus de sang et de moments d'esclavage. Amalik, bon, mes secondes, frères, mesdames, messieurs, nous avons extrait. Et justement, en 1915, j'ai noté qu'entendu les États-Unis qui envahissent Haïti. Eh bien, pour le monde qui a demandé force étrangère, entrer, même là, parti, Haïti vient trois fois, pour ne pas dire dix fois plus mal. Haïti vient dix fois plus mal, mesdames, messieurs. Kounya là malgré ça, gen moun ki pa comprendre k'ap mande pou force Kenya. Nous dit que depuis 1915, ça veut dire que Haïti a fait back. Non progrès que Haïti te doit aller en vers l'avant, Haïti reculé. Jodi a là en 2024, nous dit que Haïti yeux nou ouvri, peuple là éclairé maintenant, et bien gen bagay ki pa ka passer malgré population prend la rue dit non, yo prend prétexte gang. Ah ben, m'passe nous ta doué prenti extra. So, bon, c'est un repre extra pour moun yon vite, parce que moi, gen, zami yon dit m'repasse il. Bon, yon seconde. Bon, un repasse extra pour yon vite, mesdames, messieurs. Un repre ni, m'appelons de nous simplement fonti attentif. Fonti attentif tout petit. N'a plus juste repren extra. Et puis, n'a plus tendu. Ok? Bien que m'connais, nous comprenons déjà. Mais faut un repren ça. Repren ti parti ça pour nous. Ok, tendez bien. Le plan des États-Unis pour disparaître Haïti. Nul n'est sans savoir que depuis quelque temps, les États-Unis contrôlent entièrement la politique haïtienne. Cela veut dire qu'ils influencent, ou du moins, ils prennent toutes les décisions politiques importantes en Haïti. Ils y sont parvenus grâce à des politiciens apatrides ou antinationaux. Il faut le dire, ce plan pour faire disparaître Haïti existe il y a longtemps. En 1915, ils ont envahi Haïti sous le prétexte de l'instabilité politique. Mais les conséquences de cette invasion sont multiples et considérables. Ils ont entravé trois fois plus l'économie d'Haïti, qui faisait déjà face à des défis sérieux. Et ils ont bouleversé l'ordre administratif et socio-culturel. Bien qu'en 1934, ils ont mis fin à l'occupation militaire d'Haïti, mais cette occupation politique et économique n'a jamais réellement pris fin. Les Américains ont continué à s'ingérer dans les affaires d'Haïti, sous la couverture des organisations comme l'ONU, l'OEA, etc., ils organisent des élections truquées pour installer à la tête du pays des politiciens corrompus. Comme ça, ils arrivent à garder la main mise sur le pouvoir. Autrement dit, c'est eux qui dirigent le pays, mais non des représentants élus par le peuple haïtien. C'est ainsi qu'ils exécutent leur agenda de la mort dans ce pays innocent qui n'a fait de mal à personne.
et il ne cesse d'alimenter des crises sociopolitiques pour se présenter en sauveur d'Haïti. Sauf que les crises se succèdent, mais ne se sont jamais résolues. Voilà, mesdames, messieurs, voilà, nous t'en dis, hein, c'est surtout dernier, bah, tiens, entre autres, tellement d'informations importantes là. Oui, et élection, il y a créé élection truquée, et en plus, eh bien, il y a créé stabilité hein, pour que vous-même vous paraissez tête comme sauveur. C'est exactement ça qu'on vit là, mesdames, messieurs. Il y a créé problème qui est là. Qu'on y a là, il faut comprendre que c'est eux qui sauveur, c'est eux qui viennent avec les forces étrangères pour venir aider Haïti. Et puis, on va régler. Pays a vécu 10 ou 3 fois plus mal. C'est même bagaille qu'on a vécu là, oui, Amalik. Oui, nous, ça fait 10e intervention, ça va faire 11e intervention. Intervention, ça n'a pas jamais rien. Intervention, au bail choléra. Intervention by pédophile qui rentre qui viole ni ti fille ni ti garçon. Intervention by jeune fille qui enceinte qui a construit depuis petit monde et que y a pas con papa yo, ni en bleu ni en blanc. Intervention c'est ça by intervention c'est monsieur qui allait dans campagne là et qui tire cabrit et paysan yo, et qui coche cabrit la vie manger li. C'est ça que ça au bail. Intervention en bail tout le peuple a révolté contre intervention et puis l'ONU a mission l'ONU a tiré sur le peuple dans quartier populaire dans ghetto. C'est la mort, c'est maladie, c'est augmenter justement misère en série de jeunes filles qui grossent pour Mounsayo et qui n'ont pas chance justement de dédommager Mounsayo. Si moun sa yo levé encore sans papa, si moun sa yo se capable vinn de ti moun de rue et qui pour aller rentrer dans gang, c'est sa mission à porter ba nous. C'est choléra, c'est violer ti moun, c'est enceinte ti moun, c'est voler cabrité paysan. Vous comprenez? Et puis en plus que facture ça, c'est nous pour qui te facture ça pour nous payer.